Oh là là, c'est bon? Ouais, go. Ah, tu dis pas go comme ça, tu dis go s'il te plaît. Ta gueule. Et tu m'appelles chirurgien, entrepreneur. Ouais, je me tais. Ta gueule. Ah, c'est bon, t'es prêt? Vas-y, vas-y. Et donc t'es prêt toi aussi. Play your cue. Tu connais pas encore? Vagayaro. Yo tout le monde, c'est Ouais, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Hello tout le monde, c'est Luffy. Et il crie pas, c'est bien ça, c'est bien de pas crier dans les vidéos, ça fait mal aux oreilles. Je fais des efforts pour eux. Enfin bref, aujourd'hui donc on se retrouve pour un player sub, ça a été noté dans le titre. Et aujourd'hui un abonné nommé X Imagic, je vais le dire en français, on va pas dire XI Magic, un abonné vraiment coriace, mais vraiment, a de la pub. De toute façon vous allez le voir dans les deux combats qui vont arriver. Ouais mais calme-toi. Parce que d'abord faudrait pas oublier le nouveau concept qu'on ajoute au player sub. Ah ouais c'est vrai ça, c'est vrai, je propose qu'on la lance tout de suite. T'es chaud? Vas-y, je te suis. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est XI Magic. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire une rapide présentation. Donc je m'appelle Alexis, j'ai 17 ans et je réalise des vidéos sur Naruto depuis environ 7 mois. Donc qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur ma chaîne? Sur ma chaîne, vous pourrez retrouver des détenteurs classés, donc jusque là rien d'extraordinaire. Vous pourrez aussi retrouver des Battle Team Random. Donc le Battle Team Random, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un concept qui consiste à jouer une team officielle de Storm 3 qui a été choisie aléatoirement par un logiciel. Donc c'est un concept vraiment sympa parce que je peux faire participer les abonnés. Donc voilà. Vous pourrez aussi retrouver Débit sur Défi, que je réalise en live, ainsi que les tournois abonnés. Donc pour les tournois abonnés, en parlant de ça, j'en ai prévu un pour les vacances de février. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Je tiens à remercier Wesh92 qui m'a contacté pour le player sub. Et sur ce, moi je vous laisse et j'espère vous retrouver sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, peace! Alors là, ce qu'il a l'air de nous proposer, enfin ce qu'il nous propose a l'air d'être bien, j'intervertis les mots. Donc franchement, ce qu'il nous propose, c'est vraiment du lourd. Moi, je sais pas vous, mais ça me donne envie d'aller m'abonner à sa chaîne, je voudrais faire pareil. Franchement, ça a l'air intéressant ce qu'il propose notre XI Magic. J'avoue que franchement, c'est pas mal, surtout t'as entendu là le tournoi. Ouais, j'ai entendu, c'est intéressant ça. Peut-être qu'il faudrait s'y mettre pour y participer. Ouais, faudrait peut-être accélérer les gars, les vite vous abonner, il y a un petit tournoi abonné qui se prépare sur sa chaîne. Je sais pas vous, mais faut y aller là, faut bouger ses petites. Moi je dis ça, mais c'est juste une occasion d'être sur YouTube, hein. J'avoue. Mais sinon, c'est pas tout ça, il a parlé et tout, maintenant j'ai envie de le voir combattre. Ah, je me disais aussi que t'avais envie de le voir, je vais te montrer, bah, je propose là, je vais claquer des doigts, et direct le combat, je vais te montrer comment il joue, c'est un gros malade ce mec, hein. Ok, bah, je te suis claque, c'est par là. Eh, tu me donnes pas d'ordre là. Bah, je claque, j'ai envie de claquer. Voilà, parce que j'ai envie de claquer. Non. Ah non, je rigole. Alors, donc, moi avec Jiraya, hein, et face à son Kakashi. Et je te promets, Luffy, c'est un Kakashi vraiment sauvageon, tu vas le voir tout de suite. Bah, déjà, j'aime bien les équipes. Ouais, je sais. Y'a pas de personnage dégueulasse. Non, t'inquiète, y'a jamais de Kimimaro avec lui. Contrairement à ton habitude. C'est pas vrai, il ment, c'est un mytho. C'est un vrai mec. Bon, tu verras en tout cas, franchement, regarde un petit peu la vitesse. On va pas dire que Jiraya c'est plus rapide. Mais franchement, Kakashi, il le maîtrise à un point. De toute façon, tu vas le voir. Déjà, il se domine un peu en fermé. Ouais. Il a un peu moins de vie, mais de... Mais c'est justement, waouh, ça j'appelle ça la douille suprême. Ça c'est le Chidori du mur, tu vois. Celui qui reste à proximité. C'est toute la famille Rasengan, elle passe. Un petit esquive, un petit roulade, roulez bouclé. Il est pas gros, il a l'air gros quand même, Jiraya, hein, de rien. Ouais, je sais pas pourquoi il est long, il est épais en fait. Il est pas gros, il est épais. Le truc il veut rien dire. Il a pas de mystique dans la garde, mais ça sert à rien. Il a une défense, ce Kakashi, je te jure, c'est abusé. Ah, les petits coups là, ratés, chelou. La petite chat poupée. Là, j'essaie de le choper, y'a rien là. Ah, mais c'est quand même chaud, c'est serré. Ouais, c'est serré, mais franchement, il me lâche pas en fait. C'est ça en fait que j'aime bien, c'est qu'il lâche pas et il lâche pas au bon moment. Là, il a pris son petit truc de chakra.
Mais j'aime bien, enfin ouais, c'est vrai que c'est un dash sur dash. Voilà, là tu vois que je suis en galère totale, j'essaie de venir. Je fais mes petits bons. Ouais, il a un petit peu reculé. Non, je crois qu'il a dû se louper. Ouais, mais en tout cas il est vite revenu. Là je récupère mon chakra, je pense là ça va être autre chose. Il t'a pas laissé d'espoir. Ouais, t'as ton chakra, mais t'as plus de permis. Ouais, ouais, donc là je vais bien ramasser, je crois. Ouais, ouf. En plus, il a. Enfin, tous les deux, vous êtes un peu en mode. Les soutiens qui aident. Enfin, je sais pas ce que t'es. Offensif. Ah ouais. C'est plutôt toi qui est. Ah ouais. Là, ça va être. Là, le Chidori, je l'ai bien fait fermer sa main là directement. Petite esquive, mais qui ne servait à rien. J'aurais dû continuer. Ouais, c'est serré, un bout, là, je sais pas. Voilà, je lui casse la garde. T'inquiète qu'on va, on y va. Ça devient, ça devient un petit peu chaud là. Plus de plus en plus serré, mais c'est là où il va faire la différence. Hein. Déjà là. J'ai remarqué, vous aimez bien sauter et vous battre en l'air. Là, je l'ai loupé avec le stick. C'est comme ça qu'on se banne. Battre en l'air. Voilà, alors Jiraya, bah, il vise bien, tu vois, c'est ça son. J'ai remarqué, il bouge tout le temps une partie de jambes en l'air. Petite blague. Dans le... Kekashi, Jiraya. Ah n'empêche, Jiraya ça passe, tu vois. Ouais, j'ai envie de dire qu'il lit tout le temps les livres, hein, le pervers. Kakashi, ça me laisse bien, mais. Et hop, il m'a fini en chope. Voilà. Pas mal, pas mal, c'est une belle finition. Et il me semble que la team ensemble, c'est batifolage. Expert en batifolage. Ça m'étonnerait pas, en fait. Voilà, avec Xai Magic, on fait équipe, les experts en batifolage. Enfin bref, pas. Gros GG à lui parce que franchement il est coriace son Kakashi. C'est un des meilleurs que j'ai vu. Après il y a Team Zika, je suis obligé de passer une petite dédicace. En tout cas gros GG à lui. Je propose qu'on lance le deuxième combat. Cette fois-ci c'est toi qui va claquer des doigts. C'est moi. Ouais c'est toi ouais. Alors cette fois-ci il nous a sorti un petit Mizukage avec un Toby Grande Guerre. Ouais ouais c'est ça. Et toi t'as le petit Gaara avec, j'arrive pas à voir. Je crois que c'était Raikage. Raikage. Il me semble que c'est Raikage, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai pris des Kage, j'ai pas envie. En plus, Raikage, il est trop balèze. J'avoue, c'est pas mal. Enfin, et tu penses Super Saiyan. Ouais, ouais, c'est un petit peu. C'est Broly quoi, c'est la version Broly. Mais tu verras qu'il a pris Mizukage et Edo. Enfin, Edo, Mizukage plutôt. J'ai pas vraiment tenté. Enfin, comme on le voit pas trop de près. Non, je le sais parce que je l'ai affronté. Toi, tu l'as vu de près, c'est ça. Ouais, exactement. Tu verras que Gaara, franchement, il se débrouille pas mal. J'ai même mis sa petite map, tu vois. J'ai été vraiment à fond. Je me suis dit, on prend Gaara et la map. Ah, tu triches quoi, tu mets tout de ton côté. Ouais, c'est mais non, je triche pas, mais c'est pas de la triche, ça a rien à voir. C'est dégueu. Le mec, il utilise des trucs, il met dans un désert. Ça. Mais rien à voir, mais rien à voir. Bon, j'avoue, j'ai l'élément. Et là, rien va se passer. Hop, esquive du stick, se passe, t'as vu. Ouais, mais c'est serré. En plus, je vois, il fait ses petits sticks là pour se protéger. C'est pas mal. Ouais, genre le stick, moi, quand je joue, je ferai pas attention. Je ferais plus ça pour m'amuser. Non, lui c'était vraiment instinct de survie, tu vois. Là, une petite dash, je crois que j'ai dash arrière, je voulais dash vers lui donc il m'aurait eu. Si j'aurais dash vers lui, je me serais fait avoir. Petit Raikage, tu vois, ouais, je me fais sécher par le stick, mais Raikage il est là. Raikage ouais, il fait mal. Sauf l'honneur. Ah, il est balèze, hein. Par contre, c'est vrai que le petit Mizuka il est sympa, je trouve. Il a un petit stick. Ouais. À part sa petite fleur sur son bâton. Je crois que c'est une fleur. Ouais, c'est le côté féminin de Mizukage. Mais sinon, ses combos ils sont bien sympas. Et puis on va pas se mentir, hein. Il a un atout secret. Ah ouais, mais non, t'inquiète pas, il y aura pas cet atout secret. Il a franchement, il a été soigné pour ça. Et tu vois, c'est fair play, hein. Il casse garde et. Voilà quoi, il. Limite, il me réveille, tu vois. Par contre, c'est dommage qu'avec le petit Mizukage, il n'y ait pas de. Comment ça s'appelle Ninja Move. Enfin, il me semble que moi j'en connais pas en tout cas. J'en connais pas, mais tu sais que la façon dont il le joue, je serais pas étonné qu'il trouve quelque chose parce que il a une manière de jouer avec les extra hits et tout ça. Moi déjà, je fais pas ça, je suis un vrai cochon. Là, je commence à le chambrer, tu vois, je fais bouger les épaules de la maman de Gaara. Elle bouge les épaules, bouge les épaules. Je crois que je vais le refaire si je me souviens bien. En fait, j'avais plus de chakra, tu vois. Ouais, et j'essaie de. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Comme le match de tout à l'heure, il est assez. Hop, petit chop qui passe à travers le petit mur. C'était un peu traître, je t'en. Allez, bouge les épaules, gars. Le truc bien inutile au lieu de recharger ton chat. Je te promets. Je me fais sécher, petite combinaison, je sais pas si t'as vu. Il touche au sol, Toby, donc il m'a mis un petit stick suivi de Toby. Et là, regarde le poil de chakra qu'il a, mais franchement, le poil de vie plutôt. Ouais, il m'a lâché. Kamehameha loupé, j'ai essayé.
Non, il a pas peur. Hein. Non, non, il y va. Hein. Bah avec rien, il y va. En même temps, enfin, il a un petit peu l'horloge contre lui. Ouais, ça j'avoue. La voilà, toujours un coup dans le dos, c'était. Attends, déjà c'est Kara, donc déjà c'est pas de ma faute. Déjà il a la défense suprême, l'ultime défense, c'est lui qui l'a. Donc déjà on va. C'est pas pour ça qu'il va mettre des coups dans le dos. Hein. J'ai pas fait exprès, d'ailleurs j'ai perdu de j'ai dash, donc ça bouge pas. C'est dégueulasse. Sincèrement, je crois qu'on a livré des combats de Titan, moi et lui. Il sait très bien, il y a eu vraiment de gros combats et je dois le dire, franchement, il est vraiment balèze. Il est vraiment plus fort que moi, il est vraiment fort. Il faut l'affronter, donc ceux qui écoutent, n'hésitez pas à l'ajouter, à s'abonner, allez vous abonner à sa chaîne, sincèrement allez vous abonner. S'il fait des projets avec les abonnés, essayez d'y participer parce que ça promet du lourd. Il est vraiment balèze depuis, franchement tu peux pas dire le contraire avec les combats. Non, que voilà, donc on est tous les deux d'accord. XI Magic, je dis à chaque fois aïe. Franchement merci, c'était super sympa de faire ces petits combats. N'hésitez pas à ceux qui regardent, allez vous abonner sincèrement. C'est dans la description. Et puis il y a des petites annotations à gauche à droite si vous voulez cliquer. Donc allez-y, abonnez-vous si vous aimez. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, je pense que la PRSUB touche à sa fin. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Bah ouais, si vous avez envie d'y participer, c'est facile. Un petit commentaire déjà, commentez, dites-nous un petit peu comment on a joué, moi et X Magic. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. D'ailleurs, Luffy, t'en penses quoi, toi? Comment on a joué? Je pense que tu parles beaucoup trop, hein. Les pauvres, là, tu viens de les tuer en 20 secondes. En 20 secondes, tu viens de les tuer. Mais je t'emmerde. Ouais, on va raccourcir. Non, enfin, parce que je pense que c'était des bons combats et qu'il faudrait bien, enfin, commenter, donner vos avis, mais bon. Je suis quand même pratiquement sûr que c'était des bons combats. Bah, moi je trouve quand même que c'était des bons combats. Donc n'hésitez pas, dites ce que vous en pensez, laissez un like si vous avez aimé. Et puis laissez votre PSN, j'insiste bien, PSN, pas GamerTag, désolé pour ceux sur Xbox. Bien, écrivez bien, vous trompez pas si jamais je vous trouve pas. Enfin, si je vous trouve et que je vous trouve pas sur le PSN, ça craint pour vous. Donc voilà, et si vous avez une chaîne YouTube, surtout n'hésitez pas, comme ça, ça vous peut vous donner un petit coup de pouce, comme pour XI Magic. Donc je compte sur vous les gars, allez vous abonner. Bombardez-le de messages, bombardez-le d'invites, bombardez-le de tout. Je veux qu'il vienne se plaindre jusque chez moi. Donc c'est tout pour moi. C'était Wesh, portez-vous bien. La patate, la persique, je te laisse finir le fil et puis on se casse. Moi j'ajouterais juste, oubliez pas qu'il a un petit tournoi. Hein, c'est jamais. C'est vrai. Allez-y, participez. Je vous le rappelle, vous avez fini la vidéo, hop, vous y allez maintenant. Allez, et je participe. Vous mettez ça dès la poche. Et c'est tout pour moi aussi. Donc... Yo! Allez, un petit kiwi vite fait, bonus, non, kiwi. Enfin bref, vous avez compris. Il est tout petit, hein, très court. Vas-y, go. Prêt? Deux secondes, parce que. Attends, je bois. Bah, bois vite fait, bois. Il y a moyen de boire comme un apache, quoi. Ça me fait rire parce que. Je suis en train de moi et tu dis bois, vas-y, tu vois, en mode genre tu me donnes un ordinateur. Yo tout le monde, c'est ouais, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je suis en compagnie de. Hello tout le monde, c'est Luffy. Non je vais pas crier comme d'habitude. Et on se retrouve donc pour le Play Your Sub, ça faisait un moment. Et franchement là aujourd'hui, un abonné vraiment coriace. Vous allez le voir dans les petits combats qui vont arriver. Mais avant, je pense que Luffy a quelque chose à nous dire. Je m'attendais à plus long de ta part. Tu veux pas rire? Fais screen, ça veut dire fais screen. 3, 2, 1. Non, attends. Là, il faut être synchro. C'est comme un cochon, mec. Oh, ouais, j'ai oublié. À go. 3, 2, 1, go. Non, 3, 2, 1. Comme si c'est moi qui partais.